Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec toute une honte. Je viens devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tout le mal que nous avons fait à ton Église, ma génération, notre génération. Seigneur, parce que je fais partie de cette génération. Cette génération, nous avons installé l'abomination de la désolation dans ta maison. Nous avons détruit, Seigneur, l'évangile que tu as annoncé de ton sang, l'évangile pour lequel tu as donné ta vie. Seigneur, nous avons détruit, oui, ma génération. Je suis coupable, comme la plupart de mes frères pasteurs, comme la plupart de mes frères prophètes, comme la plupart de mes frères évangélistes. Je suis coupable de ce que Seigneur, de 1980 à 1990, ce que nous voyons à l'Église n'existait pas. Nous sommes la génération qui a accompli ce que la Bible a dit de mauvais sur ce qui allait arriver sur la terre. La Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes. Certains même vont porter le nom de Dieu, de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, Seigneur Jésus-Christ, nous avons arrêté de te prêcher. Nous avons arrêté dans nos églises de te présenter. Tu es fils de Dieu. Seigneur, nous, les faux prophètes, nous avons envahi ton église avec des chevalières. Nous, les faux prophètes, qui devons prophétiser la repentance, qui devons prophétiser le royaume des cieux, qui devons prophétiser le péché et amener le peuple à te craindre. Nous avons fait des parties diaboliques avec des lois sataniques. Aux yeux, au-dessus de tout le monde, nous, les prophètes de cette génération, nous portons des chevalières, des bagues magnétisées, envoûtées, qui appartiennent aux loges mystiques. Nous portons des chaînes de sorcellerie. Nous, cette génération de prophètes, nous prophétisons la bénédiction. Nous prophétisons l'enfantement. Nous prophétisons le mariage. Nous, cette génération de prophètes, nous avons vendu l'huile d'onction. Nous avons commencé à vendre de l'huile d'onction. Et pour argumenter nos égarements, nous envoyons les gens dans l'Ancien Testament. Nous, prophètes de cette génération, Seigneur, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait boire de l'eau aux gens. Nous avons fait boire de l'huile aux gens. Nous avons vendu de l'huile. Nous avons fait la promotion de l'huile d'onction que je ne sais qui vient d'où, qui a oint. Nous sommes les seuls à voir si ce sont les démons, si ce sont les mystiques qui nous ont donné ces choses. Pour verser sur ton peuple, pour que ce peuple remplisse nos programmes, pour nous faire beaucoup d'argent. Nous, prophètes de cette génération, nous prophétisons pour nos ventes, nous prophétisons le mensonge où tu annonces la colère, nous prophétisons ta grâce. Seigneur, je te demande pardon en tant que prophète de cette génération. Je te demande pardon pour tout le mal que je fais avec mes frères. Seigneur, je te demande pardon pour tous les pasteurs de cette génération qui, après les années 90, cette génération, nous avons commencé, Seigneur, non pas à prêcher ta crainte, non pas à prêcher le royaume des cieux, mais à faire des programmes de leadership. La première fois, Seigneur, que j'ai entendu ce programme, c'était dans les loges maçonniques. Nous avons fait des programmes de leadership et nous faisons des séminaires de leadership pour amener les gens qui nous écoutent à nous adorer comme des dieux. Et ces programmes visent à nous remplir d'orgueil parce que nous devons régner sur les autres humains. Seigneur, nous sommes remplis d'orgueil après ces programmes de leadership, comme si tu es mort pour parler de nos personnalités,
pour voir comment nous devons marcher, comment nous devons nous habiller, avec qui nous devons parler, comment les gens doivent nous craindre. Et nous avons envoyé le peuple à nous prendre pour des petits dieux, des demi-dieux. Aujourd'hui, même quand on parle mal de toi, nous tous, nous sommes dans le silence. Mais quand tu parles des pasteurs, tout le monde s'efface parce que c'est devenu des leaders. Tu n'es plus le leader de l'Église, mais c'est les hommes qui se proclament leaders. Seigneur, voilà ce que nous avons fait encore en tant que pasteurs. Nous savons que tu es un Dieu qui te révèle et qui envoie, mais nous avons fait des écoles pastorales pour éteindre ta vérité, où à la base, à la tête, c'est les francs-maçons des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, qui ont initié ces écoles théologiques pour égarer ceux qui devaient délivrer le monde, les évangélistes. Et nous sortons de ces écoles avec deux démons, l'ignorance et l'orgueil. Seigneur, je te demande pardon pour ce groupe de nouveaux pasteurs qui sont devenus des écrivains à travers le monde. Tellement nous avons été aveuglés par l'ignorance. Nous écrivons chacun des livres pour faire des livres parallèles à la Bible. Et tellement nos livres ont envahi les librairies. Quand tu rentres dans une librairie, tu ne sais pas s'il faut acheter la Bible ou faut acheter nos livres. Père, c'est notre génération. Et je fais partie de cette génération. C'est nous qui avons mis cette abomination dans la maison de Dieu. Il y a un monsieur qui s'appelait Branham qui a fait des livres. Aujourd'hui, ces livres sont en train d'égarer un grand nombre. Ces livres sont lits par rapport à ta Bible que tu as laissée. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un monsieur du nom de Kakou Philippe qui a brûlé la Bible ouvertement devant le silence coupable de toutes les associations évangéliques et qui a écrit son livre. Et d'ici 20 ans, 50 ans, un grand nombre va être égaré à partir de ses livres. Et je vois aujourd'hui tous les pasteurs qui ont pris de l'ampleur à partir de Facebook, à partir des réseaux qui se sont faits en train de dédicacer des livres. Et puis, leurs femmes aussi dédicacent des livres. Tout le monde est devenu écrivain. Père, non seulement cette génération de pasteurs et de prophètes ont installé l'abomination dans la maison de Dieu, mais ils ont osé nommer leurs femmes pasteurs, leurs femmes prophétesses à la chair. Ils ont osé nommer leurs femmes révérends. Et grave, Jézabel s'est installée à la chair pendant que ceux à qui tu as confié l'œuvre sont assis. Et tu as dit dans l'Apocalypse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner, séduire mes serviteurs. Et elles sont à la chair avec des faux cils, des faux ongles, des mèches, des faux cheveux. Et toutes leurs prédications se ressemblent. C'est rempli de séduction, Seigneur, où elle se répète. Nous avons répété, nous avons regardé. Ça ne nous a pas suffi. Nous, cette génération, nous avons entraîné toutes les fêtes païennes dans ta maison, Seigneur. De 1980 à 1990, aucune fête de Noël se fêtait comme veillée dans ta maison. Aujourd'hui, cette génération fait des veillées. Fait des arbres de Noël. Fait des sketchs avec leurs enfants dans ta maison, sur ta chair, devant ta chair, où tu as donné ta vie pour le péché. Et non pas pour des sketchs, et non des balais. Mais cette génération de pasteurs autorise ces abominations dans la maison de Dieu. Et grave, ces enfants font des balais de Rihanna, de Beyoncé, qui sont des sataniques. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons introduit les deux fêtes païennes les plus populaires au monde dans ta maison, la Noël et la Saint-Sylvestre. Et tellement nous envions le monde, nous avons copié toutes les fêtes païennes dans la maison de Dieu, dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons copié
la fête des mères, la fête des pères, même la Saint-Valentin est fêtée dans certaines églises. Seigneur, voilà les abominations que nous avons faites. Et ce qui est grave, nous ne prêchons plus ton retour, nous ne prêchons plus la repentance, nous ne prêchons plus le péché, de peur que l'église soit vidée. Nous avons des églises remplies de personnes les dimanches et le lundi. Ces personnes sont des païens. Voilà ce que nous avons fait, Seigneur. Et nous avons entraîné le christopaganisme de lundi à samedi. La plupart de nos membres, pour ne pas dire la majorité de nos membres, sont des païens. Le dimanche, au milieu des quatre murs, ils sont chrétiens. Seigneur Jésus-Christ, nous, pasteurs, prophètes, évangélistes de cette génération, nous sommes entrés dans la politique. Nous sommes devenus des politiciens avec une argumentation pas possible pour argumenter nos égarements. Seigneur, ce soir, je te demande pardon de ce que, en lisant la Bible, j'ai découvert que tu n'as pas donné ta vie à la croix pour la politique. Quand tu vivais, César était là. La politique était faite par les Hérodiens, par des gens qui supportaient César. Ils ont voulu te confronter à la politique, mais tu t'es retiré, tu as dit que nul ne peut suivre deux maîtres à la fois. Aujourd'hui, en tant que pasteur, nous recevons des ministres, des présidents, des gens dans nos églises et nous les laissons passer à la chair. Nous mettons des fauteuils spéciaux pour eux dans la maison de Dieu. Seigneur, nous avons à installer nos générations l'abomination de la désolation. Et j'ai honte pour tout ce que nous avons fait. Et j'ai peur pour la génération future. Si aujourd'hui, des femmes en Côte d'Ivoire se mettent à la chair pour s'exhiber avec des faux ongles, avec des faux cheveux, des rouges à lèvres, dans 20 ans, dans 50 ans, ça va être grave. Si en Côte d'Ivoire, un frère du nom de Kakou Philippe brûle la Bible aux yeux de toutes les associations. Et aujourd'hui, voilà l'abomination encore que nous avons installée, l'association. Je me demande qu'est-ce que ces associations font dans les pays. C'est pour se réunir, pour prendre des enveloppes, pour voyager, pour aller visiter Israël. Comme si tu es moi à la croix pour que Israël soit un lieu touristique. Au Bénin, il y a une femme qui a dit qu'elle est Dieu devant le silence coupable de toutes ces associations évangéliques. En Côte d'Ivoire, il y a un jeune qui a brûlé la Bible et il a fait une Bible devant le silence coupable de toutes ces associations évangéliques. En France, l'église évangélique méthodiste a organisé un mariage gay devant le silence coupable de toutes les églises évangéliques à travers le monde et méthodistes. Voilà l'abomination que nous avons installée dans ta maison, cette génération. En 1980, ça n'existait pas. En 1990, ça n'existait pas. Ils ont célébré un mariage homosexuel dans ta présence devant ta chair. Quelle abomination! Et aujourd'hui, les seules personnes qui sont combattues dans cette église, c'est ceux qui disent la vérité qui sont combattus. C'est ceux-là qu'on traite d'hérésie, d'égareur. Seigneur, je me suis promené en Côte d'Ivoire, j'ai vu l'abomination dans l'église. J'ai vu des pasteurs mettre des affiches et représenter l'oiseau aigle sur l'affiche. J'ai vu des pasteurs faire des affiches et mettre le signe IS de la franc-maçonnerie sur l'affiche. Je me suis promené au Bénin, Seigneur. J'ai vu des prophètes venir vendre des bracelets, venir vendre de l'huile, venir faire des programmes d'enfantement. Répentons-nous. À tous ceux qui vont écouter ce message ce soir, je pleure cette génération. Je pleure ma génération. Et je suis aussi coupable que tous les autres frères. Et aujourd'hui, j'appelle les vrais pasteurs qui sont cachés à travers le monde, à travers ces pays. Écoutez-moi bien, chers frères.
Nous n'avons une seule vie. Nous allons tous mourir. La Bible dit la crainte des hommes tient un piège. Vous êtes riche autant que ces personnes sont riches. Mais avec les mêmes moyens que vous avez, ils font des vidéos, ils font des programmes spectaculaires pour attirer un grand nombre, pour les égarer. Vous attendez quoi pour parler? Vous attendez quoi pour dire la vérité au peuple qu'on égare? Jusqu'à quand vous allez trembler dans vos maisons? Jusqu'à quand c'est votre femme et vos maisons qui vont écouter votre évangile de vérité? Privez-vous de nourriture. Faites des chaînes. Parlez au monde. Sauvez ceux qu'on amène à l'abattoir. Vrai pasteur, vrai prophète, vrai évangéliste. Commencez à croire en ce que Jésus vous a dit. Ce n'est pas au ciel que vous allez partir dire à Jésus ce qu'il vous a révélé. C'est au monde qu'il faut le dire. Seigneur, voilà ce soir ce qui a été ma prière. Je te demande pardon pour nos vies. Donne-nous un esprit de repentance. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis de raisonnements. Nous argumentons, nos erreurs, Seigneur. Je demande pardon pour cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité.